Monsieur Fils, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau numéro de warm-up. Déjà en décembre, 1er décembre aujourd'hui. Nous pouvons aborder la ligne droite finale pour cette saison 2020. Et sinon, du côté du centre Guy Desmarais, il n'y a pas nécessairement beaucoup de travail quand nous tout connaît les yeux qui braqués sur le champ du Mos en vue de la Coupe d'eau. C'est une grosse galop donc à pour lui. Au centre Guy Desmarais, c'était plutôt calme aujourd'hui. Et nous finissons par contre quelques travaux intéressants. Des chevaux qui me rappellent les autres qui finissent sortis de la quarantaine. Il y a maintenant presque 2 semaines de cela. Ils ont beaucoup mieux adapté à nos conditions. La mauvaise pense à un crack annoncé chez l'écurie Simon Jones, c'est Padre Pio. Padre Pio, aujourd'hui, mon fils trouve sa cheval-là. Et mon capable de dire que l'époux un sérieux candidat la saison prochaine dans la Duchesse et aussi dans les autres courses classiques. Padre Pio, c'est un cheval qui, quand on trouve lui-même, sous allure, manière qu'il travaille. Et c'est un cheval qui, quand il marche, il a les deux oreilles pointées en avant. Signe qui va très keen, très intéressé dans ce qu'il y fait. Donc, mon conseil est de suivre de très très près ce Padre Pio pour la saison prochaine. Sinon, on a aussi des chevaux de Simon Jones qui peuvent révéler les autres. Par exemple, Perfect Circle. On a Ball Phoenix qui maintenait cette très belle forme. Blackburn Rock, moi, je suis surpris s'il est arrivé doubler la mise. On a aussi Emerald Ben qui finit travail très très bien ce matin et travaille telle une fusée sur la petite piste du centre Guy Desmarais. On a Icebreaker qui possiblement est capable de tenter une petite chose d'ici la fin de la saison si son entraîneur arrivé trouve le bon engagement avec lui. Et aussi Rule the Night et qui dans une forme très très appréciable. Mon pensée nous bizarre ignore ce dernier les courses sur sa forme actuelle. Moi, pas pour surprise, s'il est arrivé Rachetly avant la fin de la saison. Sinon, on a un petit incident, pas très grave. C'était Light Hearted qui finit arrêté en plein travail. Ce cheval-là finit montrer très très difficile aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 2 voire 3 semaines que le cheval refuse de travailler. Son entraîneur, il essaie auparavant des pacifiers avec lui. Aujourd'hui, il essaie les blinkers. Mais cheval à montrer toujours très difficile à l'entraînement. Sinon, pour plus d'informations sur l'entraînement de ce lundi 1er décembre, vous les êtes appréciés. Admiral Ben a survolé la courte ligne droite du centre Guy Desmarais. La défaite d'Edita Rodtrell doit être mise aux oubliettes, car ce cheval respire toujours la belle forme. Dynamite Jack s'est exercé au Light Canter. Russian Beat de l'écurie Patrick Mervin fera bien au champ de Mars. Il a laissé une plaisante impression ce matin. Golden Tractor possède un certain potentiel. Il est à suivre s'il s'adapte à nos conditions. Big Mistake a été supervisé de très près pour moyen de doubler la mise. Blackburn Rock sera une fois de plus redoutable la prochaine fois. Potawatomi était très en verve lors de cette matinée. Il pourrait se distinguer d'ici de la fin de la saison.